dans le secteur. Rendez-vous à Hamilton Heights. Oh non! Il y a des charges explosives dans un des véhicules des démons! Je dois les arrêter! Regarde! Oh, je peux aussi jouer aux gendarmes et aux voleurs! Terminus! Bombe dans le camion. Faut la neutraliser. C'est mon fan club, ça? Ou encore des démons? Parade mortelle interceptée. Agent de Manhattanville, quelle est votre situation? Je dois les éliminer vite fait. Je suis préparé à tout
bien, mais je peux faire mieux.
un des pigeons d'Howard. Ah, c'est parti! Génial, Howard. Ces oiseaux ont de la chance de vous avoir. Je fais ce que je peux. Sandra se débrouillait bien mieux. C'était ses oiseaux à elle. Et maintenant qu'elle est partie, ils sont à vous. C'est comme si une partie d'elle vivait encore, vous voyez? Je vois très bien. Vous êtes quelqu'un de bien, Howard. Si vous voulez passer voir la famille à n'importe quel moment, n'hésitez pas. Clarence dit que vous lui manquez. Merci encore, Spider-Man. Pete, ma mère croyait beaucoup au chauffage par la vapeur. Elle est meilleure pour l'environnement que les énergies fossiles. Sauf qu'une trop forte pression peut provoquer des explosions. Cette station contrôle la pression au niveau des bâtiments. Il faut montrer à Oscorp que cette solution vaut la peine. Et tu veux bien ? Harry tient vraiment à préserver le travail de sa mère. Et je le comprends. La pression a fortement augmenté dans plusieurs bâtiments proches. On dirait que c'est à cause des régulateurs défectueux. Je dois les supprimer avant que la pression ne grimpe trop. Et surtout que le bâtiment explose. La ville remplacera les régulateurs que je vais casser. Pas le temps de respecter les biens publics. Heureusement, les régulateurs sont à l'extérieur. Un tir de toile bien placé devrait les détruire. Et que je connais déjà le sujet de la prochaine chronique de Jameson. Spider-Man vandalise la ville. Je dois en laisser aucun. Un seul suffit pour provoquer une explosion. Gens dans ces bâtiments. Pas le temps de les évacuer. Je dois agir. Détruire ces trucs causera pas de problème. La ville aura aucun mal à les réparer.
bon. Faut que je monte sur le toit pour vérifier l'évacuation, attention. Sans d'araignée ne capte rien. Tout le monde est en sécurité. Je devrais sortir d'ici avant qu'on me demande de payer pour les dégâts. Puisque vous n'êtes pas gentil, je vous confisque vos jouets qui font bobo. Je crois que c'est bon. Tout le monde va bien ? Les démons se battent comme s'ils étaient possédés.
les unités. Une émeute vient d'éclater. Agent disponible, demandé à Manhattanville. Patrouille dans le secteur. Ouais, c'est très malin de refaire les mêmes erreurs qui vous ont conduit en prison. J'ai pas vu la ville dans un tel état depuis... Jamais, en fait. Capitaine, les types de sable ont apparemment expulsé tous les habitants d'un immeuble pour en prendre possession. Et ils ont coffré les récalcitrants. Ok, je devrais pouvoir faire quelque chose. Mais il faut qu'une victime accepte de témoigner. Je vais les libérer, et je vais faire en sorte qu'ils portent plainte. J'ai entendu un bruit. Bougez pas. Elle se marre. Attaquez.
va bien se marrer. Il y a de vrais criminels dans la région. Spider-Man, vos doutes étaient fondés. Les personnes expulsées dorment dans des refuges ou directement dans la rue. Je sais ce que ça fait d'avoir nulle part où aller. Ces agents de SAD ont la chance de porter des protections parce que je risque de perdre mon sang-froid. Agents de sable, au secours! Je me fais attaquer par des agents de sable! Hé! Ah oui! Ah bah non! Encore du monde? Vous savez, pour un prestataire privé, je vous trouve quand même sans gêne. Il nous faut plus d'argent. C'était plus difficile que je l'aurais cru. Capitaine, les gens qui étaient détenus regagnent maintenant leurs appartements. Parfait. Et j'ai réussi à faire entendre au cabinet du maire que de mettre des électeurs à la rue n'était pas dans leur intérêt. Ça n'arrivera donc plus. Bonne nouvelle, Spider-Man. Le maire a enfin remonté les bretelles de sable international. Fini les arrestations sommaires au mépris de la loi. Ils ont dû se rendre compte que c'était pas top niveau image. Cette fois, on a gagné. Oui et non. J'ai entendu des agents de sable dire que vous aviez tué leur poule aux œufs d'or. Ils vont se montrer encore plus virulents avec vous, et personne ne les arrêtera. À force, je crois que ça m'inquiéterait que plus personne cherche à me tuer. Qu'ils viennent ! Je les attends !